Les aventuriers. Wow. Ouais. C'est nous. Wow. Les aventuriers. Laura, est-ce qu'il te reste de la dynamite pour faire sauter ce bloc qui nous bloque? Je t'en prie, Dandy. Tu me prends pour cette idiote de Sydney ou quoi? Je ne vois pas pourquoi tu ramènes toujours tout à elle. Je vais finir par penser qu'il y a une certaine jalousie de ta part, Laura. De quoi je pourrais être jalouse chez cette fille, hein? Franchement. Son superbe prénom qui me rappelle mon fabuleux pays. Dandy, laisse tomber. T'inquiète, Flagada, ça me motive pour tout faire péter. Au fait, vous savez quoi? Je sais pas, tu tiens la mèche et tu vas l'allumer avant qu'on ait pu trouver un abri? Bien vu, mon pélican. Ah! Tous dans le sarcophage! Oh, oh merde! Je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à faire une blague foireuse avec des poutres. Ça, j'avais pas prévu. Par contre, si tu pouvais retirer ce truc que je sens dans mon dos, c'est un peu gênant, mon vieux. De quoi? Je ne crois pas que ce soit lui, Dandy. J'ai plutôt l'impression que c'est un... levier! Ah! Vous commencez à me gonfler sérieusement. Il y en a un qui s'assied sur les chaises, l'autre qui actionne les leviers. Vous n'avez jamais lu le manuel des casteurs juniors ou quoi? On ne touche pas au... Ah! Oh putain! Oh, j'en ai marre! Je vous rassure, on risque pas de tomber plus bas. Hein. Ça, je le confirme. Oh! C'est marrant, cette clé. Elle est en jade blanc. C'est la clé légendaire du temple de... Ashramavasikaparvon. Ah, vos souhaits. C'est le temple du tigre sacré, Dandy. On raconte qu'il serait caché dans le cœur de l'Himalaya. Et qu'il renfermerait une statuette de tigre taillée dans un diamant de 345 carats. 345 carats? Et vous pouvez me dire ce qu'on fout encore ici? Alors, si tu te souviens bien, on est tombé plusieurs fois et on va galérer pour trouver la sortie. Ouais, enfin, si on se fait pas bouffer par les crustacés d'ici là. Les crustacés? Mais quel... Oh oh ah! Le passage, là! Courez! La clé! La clé! Prends la clé! Sors! Ah ah! Là-bas, la lumière, c'est celle du jour. Courez! Le rocher! Le rocher! Bloquez l'entrée avec le rocher! Vite! Ils arrivent! Ah. Oh. Yes! Bien joué, les gars! Yeah. Et on a la clé de Jade Blanc! On est les meilleurs! Les aventuriers! Et c'est qui ce connard, là? Et c'est quoi tous ces mecs avec lui? Dandy, ne bouge surtout pas! Ce sont des Ovitos! Oh non! C'est Fate! Dr. Jones! Encore une fois, vous le voyez, il n'est rien que vous possédiez dont je ne réussisse à m'emparer! Et vous savez bien que je ne renonce jamais! Flagada, qui est cet enfoiré? Et c'est quoi ce chapeau ridicule? Oh, j'étais à l'école avec lui. Vous avez mal choisi vos amis, Jones, et cela va vous coûter cher. Très cher. Dommage que les Ovitos ne vous connaissent pas comme je vous connais, Fate. Oui, c'est dommage. Et c'est dommage, évidemment, que vous ne parliez pas Ovitos. Oka Mamatusso! Ils sont en train de prier. Profitez-en pour filer. Tu plaisantes, Lara. Et la clé? Comme si on avait déjà eu besoin d'une clé. Allez, on se taille, les amis. Ah! Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Nous nous reverrons. Et vous vous rappellerez à ce moment pourquoi on m'appelle Fate! C'est après cette rencontre avec leur némésis qui vola leur butin que les aventuriers s'envolèrent vers un autre pays indien. Prêts pour l'aventure, le rendez-vous était pris, mais leur vol ne pouvait exclure une escale à Paris. Rendez-vous la semaine prochaine pour une pause parisienne. Les aventuriers!